Rod Daly a été le premier patient à subir une angiographie au laboratoire de cathétérisme au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick. En 1991, il a subi un triple pontage coronarien afin d'améliorer le flux sanguin vers son cœur. Dans les 20 ans qui ont suivi, il a subi de nombreuses interventions d'angioplastie et s'est fait poser plusieurs endoprothèses vasculaires. Et tout ça, ici, au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, il est un des membres essentiels du groupe de soutien sur la chirurgie cardiaque. Un groupe de 40 bénévoles qui visitent les nouveaux patients subissant des interventions pour leur remonter le moral et partager leur expérience personnelle durant ces jours stressants. Rod est fier de la réputation impeccable du centre cardiaque et il est très reconnaissant du fait que le centre continue à innover et à évoluer. Voilà pourquoi cette année, pour Rod et pour de nombreux autres patients comme lui, le don nous tient à cœur. Grâce à votre soutien, nous obtiendrons l'équipement nécessaire pour maintenir le centre cardiaque du Nouveau-Brunswick au premier plan des soins cardiaques, offrant de meilleurs résultats à plus de 70 000 futurs patients. Et peut-être vous, un jour. Renseignez-vous sur ROD et le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick sur notre site Web ou consultez la page Facebook de la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-John.